Good morning, allez, Iden et tu seras aujourd'hui le Nishmat Abraham Chaim Norbert Ben Forgin Alzal Rami Ben Rosaï Vida Bet Esther Allegria Batsol Ben Soussan Levet Ben Nishim. Nous souhaitons aussi dédier une prochaine étude de Mishnah connectée à 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui un secrétaire Rin Per Gimel Mishnah Hey Bamotzi Shemra Le Hakem Lola Achmir Keitzad Echad Shotzi Shemra Al Gedola Shabakeuna Al Ktana Shabi Israel Noten Mea Sela Nimta A Omer Befiv Yeter Mina Osemase שכן מעצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על הלשון הרע, שנאמר בין עשו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. On conclut aujourd'hui le troisième chapitre de Erchin, où on a vu dans toutes sortes de sujets de la Torah, de thèmes de la Torah, où la Torah l'a fixé une indemnisation, une évaluation, en nous fixant un prix fixe, plutôt que d'aller d'estimer les choses selon leur valeur marchande. On a vu dans toutes sortes de sujets, celui qui va vouloir faire un don d'un RR, il va payer un prix fixe, au lieu de payer la valeur marchande des choses. Et idem, on a vu, on a parlé de Sdachouza, on a parlé de Shora Mouad, de payer les 30 dieux de l'esclave. On avait parlé hier de Ones Omefate, puis à présent, le dernier sujet, c'est le Motsi Shemra, celui qui médit la médisance. De quoi on parle exactement? C'est une parasha explicite aussi dans Parashat Kitetsé, où là-bas, la Torah nous raconte. Un homme s'est marié avec une jeune fille propre. Et il se lève le lendemain de sa nuit de noces et il constate, il affirme en tout cas qu'elle était, qu'elle avait déjà eu un rapport avec quelqu'un. Et il prétend à présent qu'il a fouiné. Il est parti enquêter sur l'histoire. Il a trouvé 2 témoins qui ont vu cette jeune fille alors qu'elle était déjà fiancée. Elle a eu, ils l'ont vu avoir son écart et faire ce qu'il fallait. D'accord ? Ce qu'il fallait pas faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, pour le moment, donc, le pauvre gars. Il va au Beit Din, il se plaint, il apporte les témoins, il apporte même les parents de la jeune fille, il leur dit, regardez, votre fille, elle était complètement dévergondée, et elle est, pour le moment, il a même 2 témoins. Les parents, ouais, ils connaissent la propreté de leur fille, ils enquêtent, et ils trouvent qu'en réalité, cette crapule-là, ce mari, en fait, il est parti louer des faux témoins, et ils vont donc apporter des témoins qui vont contrer, qui vont en faire le dinazama, enfin on va pas rentrer dans trop de détails, mais ils vont contrer et prouver quand elle était la fille, elle était blanche comme neige, et lui, c'était un monstre, c'est un monstre. Ok. Sur ça, la Torah elle a dit, ben, s'il a été motzi shemra, il a fait de la médisance sur la famille, il a humilié la famille, les parents, en plus de la fille, mais même toute la famille, et bien dans ce cas-là, il devra indemniser les parents en leur donnant 100 sela, 100 shkalim de l'argent. D'habitude, jusqu'à maintenant, la plupart des barèmes, en général, ça tourne autour des 50, il y avait le shloshim shaleved, mais il y avait 50, là, il faudra donner 100. C'est le knas, c'est l'indemnité, l'amende la plus haute qu'on a vue. De nouveau, si on devait évaluer la honte sur la famille ou le dommage qu'elle a pu causer avec ses ragots, alors on aurait dû, en théorie, tenir compte, selon la famille, est-ce que c'est une famille plus d'un haut de société beaucoup plus grand ou un niveau beaucoup plus simple et basique, eh bien, la Torah elle dit non, cette fois-ci tu payes un prix fixe pour tout le monde, de ce fait, mais Motsi Shemra, le Hakel Ola Achmir Ketzad. Motsi Shemra, c'est celui donc qui fait de la médisance sur sa jeune femme, en prétendant qu'elle a déjà eu un rapport avec quelqu'un. Et il y a le Hakel Ola Achmir, il y a le prix fixe établi par la Torah, eh bien, il y a en cela, parfois, une coula, on a allégé l'indemnité, et parfois, on lui a imposé une indemnité beaucoup plus haute que ce que c'était en réalité. Comment se présente le cas? Si un homme qui a fait de la médisance sur une très haute famille de la Keuna, les familles les plus miyuchasot, d'accord, les mieux affiliés, et les plus propres, les plus tzadikim, ou encore même Valktana Shem Yisrael, une famille les plus simples du peuple d'Israël, où il y a des problèmes de partout, là-bas. Malgré tout, il s'est marié avec cette jeune fille, il prétend qu'il y a eu, donc qu'elle a été violée, qu'elle a déjà eu un rapport auparavant, et que c'était faux, eh bien, Noten Mea Sela, il devra indemniser le père Venatan Lavianara Mea Shekel, je crois que c'est écrit, Mea Kesef, dans la Torah. Il devra donner au père 100 Sela. D'accord ? Maintenant, on a fini en théorie les comparaisons des estimations fixées par la Torah. Et la Mishnah conclut cette Mishnah en comparant
la halakha qui a été explicité dans le Hey et dans la Mishnah d'Alet. Dans Dalet, on avait parlé de celui qui viole, ou celui-même qui va séduire la fille. Regardez, quel est le problème? C'est qu'il a dévergondé la fille. Lorsqu'il dévergonde la fille, il doit donner que 50, c'est là. Alors que lorsqu'il va prétendre que la fille, elle a eu un écart, eh bien là, il devra donner 100, c'est là. Il y a quelque chose d'un petit peu démesuré. En théorie, qu'est-ce qui est plus grave? De faire l'acte ou de faire courir un bruit que la fille, elle est dévergondée? Vous allez me dire, en théorie, on devrait dire, quoi de plus grave que l'acte? Eh bien non, la Torah, elle a fonctionné à l'envers un peu. Elle a donné un knas beaucoup plus violent sur la médisance, plus que sur celui qui fait l'acte. Nimtsa ha'omer befiv yeter mina ose maase. Il s'avère que celui qui va dire par la bouche, donc faire du lashon hara sur quelqu'un en racontant combien il est qu'il est dévergondé, eh bien c'est plus grave que s'il avait concrètement dévergondé. Et d'ailleurs, chez Ken Matsinou, d'ailleurs, on a trouvé le même principe ailleurs, où ça, Shelonertam Gzardin Alavotenu Bamidbar, que le décret n'a été signé sur nos ancêtres dans le désert, et là, à la Lachonara, que sur le Lachonara, sur la médisance qu'ils ont fait sur la terre d'Israël, quand, chez Nehemar, comme le Pasuk nous dit, Vainasuotize Eserpe Amim Veloshame Obekoli, ils m'ont éprouvé, comme le Pasuk nous dit, que Hachem il s'est plaint, qu'il est rôle sur l'âme d'Israël. En disant, et ils m'ont éprouvé, voilà, 10 fois, et ils ne m'ont toujours pas écouté. De quoi on parle? En réalité, c'est très simple. Il y avait, malheureusement, on va ouvrir le livre de Bamidbar, depuis la moitié de Parashat Nassau, jusqu'à la fin de Bamidbar, ça va partir en grande dégringolade. Le Ham Israël, après avoir eu le Mahamad Arsinaï, après avoir fait les Dgalim, le Mishkan, et tout ça, on va commencer, malheureusement, la grande dégringolade ensuite. Et toutes les épreuves qu'il y a eu dans le désert, toutes les fois où ils ont manqué de faire la volonté d'Hachem. Parmi toutes ces épreuves, il y a eu donc 10 épreuves qui sont restées, en plus du Chet HaEgel. Il y a eu toutes sortes de plaintes, Kivrotata, Ava, il y a eu de Korach, Vadato, et il y a aussi l'histoire avec les Meraglim. Les Meraglim, c'est qu'ils ont envoyé les explorateurs, c'est aussi dans Parashat, Shlach Lecha. Ils vont envoyer les explorateurs vont venir et vont faire du Lashon Hara sur Israël, et le Ham Israël va se mettre à pleurer toute la nuit, et du coup Hachem va leur décréter 40 ans de errer dans le désert pendant 40 ans. D'accord? Si vous faites attention, il y a quelque chose d'un peu étonnant. Le pasuk qui insiste en nous disant, ça c'est la 10e épreuve qu'ils ont osé éprouver Hachem, qui vient. Et là le pasuk qui dit, va inosso oti ze eser pe'amim, pour cette fois-là, là pour la fois 10, qui est la 10e fois, le pasuk en disant, il rajoute le mot ze eser pe'amim. C'est-à-dire, on apprend de là que cette 10e-là, elle était plus grave que toutes les neuf précédentes. C'est pas que c'était la nouvelle petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est que Hachem, il a dit, cette 10e-là, elle est pire que les neuf autres qu'il y avait eu auparavant. Du coup, on apprend de là que c'est plus grave la faute du Lashon Hara qu'ils ont fait sur les rêves d'Israël, ouais, c'est ce qu'il leur a reproché, donc il a fait le régler, mes explorateurs. Ça a été plus grave que toutes les autres fois où ils ont manqué d'être fidèles à Hachem. D'accord? Donc, moralité, apprenez à garder votre bouche et évitez aussi de faire des mauvaises actions. C'est déjà, hein, et pas, on a dit que c'est un était plus grave. C'est-à-dire, c'était pas une raison de faire ce qui est moins grave, bien évidemment, mais voilà. C'était pour mettre en exergue l'importance de la médisance, combien elle fait des dégâts beaucoup plus graves. Que l'acte lui-même parfois. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la slacha, kol tov, salam.